Yo yo yo, c'est Balou comme d'hab réuni avec l'équipe, avec le frérot. Coucou, c'est Nogan. Le deuxième frérot, Foji Sissoko. Le troisième frérot, salut Juju, c'est la Mazette Sud. Et le dernier frérot, I'm a lost Reggie, what's going on? Et là, on va parler de rap français et rap kenyan. On va parler de Kobalade, Nicki Minaj. Restez connectés, c'est parti. Turn up. Alors déjà, pour vous rappeler, on a lancé un épisode de Rap Fire Gossip. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rap Fire Gossip, c'est le concept qu'on a lancé sur la chaîne YouTube Rap Fire avec Alisha et Inky, où on parle un peu des gossips qui se passent dans le game, un truc un peu plus girly avec les deux présentatrices, Alisha et Inky. Et on a eu un sujet sur Nicki Minaj. Allez le mater, allez cliquer, allez mater, et voilà. Là, on va parler de Nicki Minaj, qui a sa date, qui arrive à l'Accor Hotel Arena. Bon, Bercy pour les Oriens. Et puis il y a eu une petite polémique que moi j'ai pas trop compris, tu vois. Moi aussi. Parce que bon, sa première partie, alors faut savoir que la première partie initiale, bah, c'était Juice WRLD. Et il y a eu Kobalade qui s'est rajouté en première partie. Et ça a créé un bad buzz sur Twitter où les gens commençaient à dire ouais, je comprends pas, Kobalade, ceci, cela, ou commençaient à lui cracher dessus un peu, comme quoi il méritait pas la première partie. Et moi j'ai trouvé ça un peu méchant dans le sens où. Bah déjà moi je suis pas le style de mec qui va souhaiter du mal à quelqu'un. Si le mec est la première partie, même si c'est un mec que j'aime pas musicalement, alors que là dans le cas Kobalade j'aime bien ce qu'il fait, bah je vais pas lui souhaiter du mal, je dirais force à lui, tu vois. Je suis pas dans cette optique là, encore moins le faire sur les réseaux sociaux. Mais bon, j'ai pas trop capté. Ma question elle va être simple, je vais y répondre. Est-ce que vous pensez, est-ce que ça vous choque que Kobalade fasse sa première partie de Nicki Minaj? Est-ce que c'est légitime? Moi je vais y répondre directement. Pour moi, Kobalade, c'est la nouvelle génération. Il a tout plié. Il fait de la musique qui se rapproche de la musique des States, on va dire, tu vois. Il a des sonorités qui se rapprochent. Il a son style à lui, t'aimes ou t'aimes pas, on va pas se mentir. Soit tu kiffes de ouf, soit tu t'aimes pas, tu vois. Et si on met Juice WRLD en première partie, qui a, oui, il a des sons quand même pour les meufs, tu vois, genre, voilà, Lucid Dream, tu vois. Mais il y en a quand même des I'm and Dangerous, il a quand même des gros bangers, Nuketown, tu vois, il a, c'est un mec qui est connu quand même pour faire des bangers, un gros freestyler, c'est un gros rappeur, tu vois, qui pour moi est dans la tranche Kobalade, tu vois, mais version française, bien sûr, avec moins de public et tout, parce que la France, c'est plus petit, mais qui pour moi est largement dans l'univers Kobalade, donc je comprends pas pourquoi les gens s'acharnent sur Kobalade et je trouve pas ça cool. Moi, je lui envoie une grosse force. D'ailleurs, j'ai fait un bail de sneakers avec lui. Le mec est vrai, le mec se prend pas la tête, le mec est bon délire et il kiffe, kiffe, kiffe. Et là, si tu sais pas, mais mon métier c'est de faire des transitions et la transition est magnifique. Il kiffe, kiffe, kiffe. À toi de jouer, Foji. Voilà, donc pour moi, c'est bien et c'est normal qu'il le fasse. Comme tu l'as dit, bah, c'est le, je pense, l'un des seuls artistes qui a dit ouvertement qu'il kiffait, kiffe, kiffe. Donc, je pense que c'est normal. Qu'il soit donc en première partie de Nicki Minaj et Juice WRLD. Non, je rigole, mais en vrai, c'est le plus chaud dans ce moment, dans des jeunes, dans la nouvelle génération. Il en voit toujours, il y a des bons résultats. Donc, son album a fait des bons résultats. Donc, je vois pas pourquoi on le mettrait pas lui. Mmh. Voilà. Et après, il y en a d'autres aussi qui auraient pu être là aussi, mais. Dans tous les cas, que ça soit lui ou un autre, bah force à lui et puis qui représente la France, voilà, au prix, voilà, c'est bien, c'est cool. Et sachant que il y a beaucoup de gens qui oublient que Nicki Minaj, c'est quand même une kickeuse, tu vois, de base. C'est une meuf qui kiffe la nouvelle génération, qui vient de la rue, qui kiffe le rap de la rue, qui kiffe la trap. Dernièrement, elle a fait le remix de Totiana, mm-hmm. Tu vois, elle a toujours été avec des Quavo, avec des Futurs. Elle aime ce genre de rap elle-même, tu vois. De ouf. Et en plus, bah toi, t'as fait l'interview avec Mato X. Et même, t'as fait écouter à plusieurs, à Offset aussi, je crois. Mm-hmm. Ils kiffent, ils ont tout ce qu'il fait. Ouais, tout ce qu'il fait, parce que c'est, les sonorités sont bonnes. De ouf. Le délire, il est dans son délire, en fait. Et même si ça se trouve, on lui a fait écouter des sons et c'est elle qui a choisi. Hein. Mm. Donc, faut arrêter de cracher sur les gens qui viennent de chez nous, en plus. Enfin, ouais. Ça, c'est un truc français, on aime bien faire ça. Genre, vas-y, bon, c'est pas lui qu'il fallait, faut le mettre quelqu'un d'autre parce que lui, il a fait plus. Non, on s'en fout. Là, le mec, il est mis en avant. Il est mis en avant en restant lui-même. Donc, faut respecter. Faut respecter et faut applaudir, c'est tout. Okay.
pour combalader, hip hip hip. Ouais. Non mais t'as tout dit, en vrai t'as tout dit. Et je pense que l'ensemble de l'équipe est d'accord. Je sais que toi tu voulais dire quelque chose, tu voulais rajouter. Non vraiment j'ai rien à dire, mais après je vois pas pourquoi c'est choquant. Le mec c'est un 2000-2001, il est jeune, il est à peu près, bon voilà, on est de la même génération on va dire. Le gars a charbonné, il s'est fixé des objectifs, il a réussi, il fait son argent. Maintenant, il est mis en avant, je comprends pas pourquoi. Les gens disent que le rap, il est perdu, c'est fini rap français, c'est plus comme avant. C'est normal que c'est plus comme avant, ça change. Il y a des... Ouais, voilà, c'est bien, tu vois. Vous pensez que musicalement, son univers ne colle pas à celui de Nicki Minaj ? Ou au public ? Mais si, ça colle. Moi, quand je vois ces shows, que ce soit des meufs ou des mecs, les gens sont... Je trouve qu'ils aiment bien, ils turn up. T'as dit un truc ? Moi j'ai envie de dire franchement c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Une première partie, ça sert à ça, chauffer la salle. Nouvelle génération, cobalader, chauffer une salle. Tous les ingrédients ils sont là. Je comprends parfaitement. Son nouveau son fait là. Oh, comment tu turn up dessus quoi. Tu voulais mettre dessus là. En plus la phrase là. Flashback du Clio 2. Flashback du Clio 2. Quand je bombarde dans le féfé. Non, faut arrêter, wesh. Ah, c'est de la mauvaise foi. Délire, le mec. Soutenez-le, faut le soutenir. Carrément, comme on le dit souvent, le gars, il est parti de rien, il a fait son chemin. Et comme on dit, comme tout le monde appelle ça, c'est le rap game, c'est un jeu, tu vois. Si aujourd'hui, c'est le leader du jeu et c'est lui qui a réussi à placer son pion. À la première partie de Nicki Minaj, ben, j'applaudis, tu vois. Mm-hmm. Peu importe qui ça aurait été, tu vois, le gars il a réussi à faire sa place, il est arrivé là où il est. Pardon. Il s'est passé quoi ? Il est étrange. Il a fait quoi ? Putain, tu voulais gars, je suis con. Il a fait quoi ? Je sais pas. Il a fait quoi, Badou ? Il avait quoi ? Je sais pas. Il a collé sa tête à celle d'Aima. Il t'a attiré d'où ? En fait, moi je voyais ça en direct. Je savais même pas comment réagir. Ah ouais. Mais ça se voit, il se fait gérer par des mots, tout ça. Bon, je reprends du coup. Je suis choqué. Il a été attiré de ouf quand il me parlait. Ouais. Et puis lui, il a ses dates qui arrivent aussi qu'au baladé. Il a la cigale le 28 mars. Le 9 novembre, il a annoncé un Zénith. Donc, oh, Zénith. Zénith, grosse force à lui. Et puis moi, comme t'as dit, c'est vrai que c'est une attitude qui est Frenchy, rabaisser les gens gratuitement. Parce que je me souviens d'avoir fait plusieurs dates, plusieurs festivals, plusieurs trucs même aux États-Unis. Par exemple, là, on a été plusieurs fois aussi dans les concerts et tout. Et en gros, là-bas, quand ils connaissent pas une première partie ou quand c'est pas forcément le registre de la personne, etc., ils sont attentifs, ils essaient de capter. Ils disent « Oh, this shit is hot !» Ils sont toujours dans un truc de capter une bonne vibe, tu vois. En fait, ils cherchent ce qu'il y a de bien. Ce qu'il y a de bien. Tu peux découvrir le truc. Tu te focalises pas sur ce qui est mauvais, en fait. Ouais, voilà. Genre, en gros, dans le son, je pense que tout le monde peut faire un bon truc. Et après, que ça plaise à plus de monde. C'est ça le truc le plus compliqué. Tu sais, en plus, c'est vrai, tu vois, genre, je vois pas à quoi ça servirait de mettre une première partie qui chante ou qui rappe comme l'artiste. Ça servira à rien, tu vois ce que je veux dire. Alors que de mettre des sonorités différentes, des personnes différentes, des styles différents, je trouve que ça te fait connaître autre chose, ça t'ouvre l'esprit, ça te fait découvrir des choses, tu vois. Parce que dans tous les cas, Juice WRLD, il a aucun rapport avec Nicki Minaj. Bah ouais, tu vois. Ouais. Genre, tu vois, ils pourraient collaborer ensemble, mais je pense que ça va arriver. Je pense que ça s'est fait aussi. Mais c'est comme Lil Uzi Vert, on aurait mis Lil Uzi Vert en première partie de Nicki Minaj, j'aurais trouvé ça légitime. Ouais, bah oui. Genre, alors que Lil Uzi Vert, il se rapproche beaucoup plus de Cobaladé que Nicki Minaj. Carrément, mais personne n'aurait critiqué. Bah oui, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc, t'as raison dans ce que tu dis. Et je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et putain, je vais lancer un petit truc là. Est-ce que vous voulez qu'on parle plus de rap français ? Voilà, je sais pas, j'ai envie de lancer cette petite question. Est-ce que je devrais laisser un podcast rap français, je sais pas, sur ce truc à quelqu'un ? Est-ce qu'on le fait de temps en temps ? Je sais pas. Voilà, mettez un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on est ensemble. Turn up !